26 millions d'exemplaires vendus d'Animal Crossing sur Switch. C'est le jeu le plus vendu de l'année 2020, ça fait 10 ans que ce classement il était dominé par les Call of Duty et les FIFA, et là c'est un jeu qui vient tout droit de chez Nintendo qui prend le record. C'est un univers coloré, mignon, qui n'a rien à voir avec les univers de Call of Duty et de FIFA. Et même 3-4 ans après la naissance de la Nintendo Switch, on a une croissance du nombre de ventes qui est à 2 chiffres. On a toujours Mario Kart 8 Deluxe qui est dans le top des ventes, et on a aussi Mario 3D All-Stars qui est sorti cette année. Mais comment un jeu qui a débuté son histoire, en tout cas en France en 2004, a pu s'imposer au-dessus de tous ces jeux-là? Un jeu aussi riche, à l'univers aussi complet, et c'est un ovni du jeu vidéo en fait. On va donc suivre dans l'ordre chronologique les 5 opus principaux d'Animal Crossing. Merci en tout cas pour vos pouces bleus et vos commentaires sur les dernières vidéos. Si jamais vous avez l'idée de vous procurer eh bien, Animal Crossing New Horizons, eh bien, vous avez un lien dans la description pour pouvoir l'acheter sur Instant Gaming. Le tout premier Animal Crossing sorti en septembre 2004 sur Nintendo GameCube. En tout cas, il est sorti chez nous en 2004 puisque c'est la version plus de Dobotsu no Mori, le jeu de Nintendo 64 qui était sorti en 2001 au Japon. Et on est bien loin de toute la liberté que l'on a dans le dernier opus. Hein. Un jeu de gestion, une petite ville, quelques habitants, de la chasse aux insectes, mais bien limité. On a sa maison pour laquelle on fait un prêt, à Tom Nook. On a le musée de Tibou. Mais après, on peut pas placer les maisons comme on veut. On est à une autre époque, donc y a d'autres graphismes. On n'a pas de terraforming comme on peut le voir bien dans New Horizons, mais on est déjà aux prémices de l'opus complet. Il n'y a pas de vrai scénario, hein. Il n'y a pas de but final dans la série des Animal Crossing, on rembourse le plus de prêts possible, on lie des amitiés avec les animaux, on fait sa petite tenue, on aménage sa maison. Le titre était vraiment accueilli comme un ovni en Europe, hein. Un humain qui vient s'installer au milieu des animaux, c'est assez dingue. Et déjà sur GameCube, soit on n'accroche pas au concept et au bout de quelques heures, on lâche le jeu, soit on devient addict et on ne délaisse pas ses amis virtuels avec qui on a commencé à créer un certain attachement avec la notion du temps. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas quitter votre jeu brutalement, sinon c'est la top qui viendra vous menacer à votre prochain démarrage. Ça, je pense que ça m'a pas mal traumatisé quand j'étais petit. Ensuite, on arrive en mars 2006. 2 ans après la sortie française d'Animal Crossing premier du nom, on a un opus portable sur lequel on peut exploiter la portabilité de la console et développer notre petite ville. Déjà, premièrement, on passe d'une aventure qui se joue uniquement à la manette à un stylet et un écran tactile en bas. L'accessoire nous permet de nous déplacer, d'écrire des lettres, les déplacements sont un peu différents, le monde nous paraît plus rond, on passe plus d'écran à écran comme dans le premier opus. Et désormais, on a un Animal Crossing qui nous permet de visiter les villes de nos amis. Sachez que votre maison sera rapidement d'ailleurs infestée de rats et de cafards si vous la négligez complètement sur le temps. Il y a d'ailleurs l'Académie des décorateurs qui peut juger votre maison et grâce aux fonctions Wi-Fi, vous avez la possibilité de quitter momentanément votre ville pour vous rendre dans celle de vos amis et inversement. La seule contrainte est que cela n'est possible qu'avec les joueurs qui vous auront communiqué leur code personnel. Donc ça date. Outre le côté convivial de la chose, ça vous donnera également l'occasion de faire des échanges d'objets avec eux, de visiter d'autres villages. On peut inviter des animaux à rejoindre aussi notre village. Là, on commence vraiment à voir la dimension sociale qui est importante, où on est fier de montrer notre village à nos amis. Un petit peu comme sur Nintendo Switch. Animal Crossing Wii, donc Animal Crossing Let's Go to the City, un nouvel opus Animal Crossing sur Wii où on peut se balader en centre-ville. On a bien entendu des objets supplémentaires, des événements inédits, puisqu'Animal Crossing prend toujours en compte l'horloge interne de notre console. De nouvelles espèces d'animaux à attraper aussi. Et on a donc ce centre-ville, une place où on peut trouver de petits commerces, certains que l'on connaît déjà et d'autres non. On peut d'ailleurs y accéder en prenant le bus. On a Ingrid la voyante, Ginette l'esthéticienne ou Runard le contrebandier. Il venait déjà en effet visiter notre village de temps à autre dans les épisodes précédents, mais là donc ils sont en centre-ville, et on retrouve des exposants qui sont inédits. On a l'hôtel des ventes qui permet d'enchérir sur des objets, on a le théâtre qui permet d'apprendre des mimiques à notre avatar, on a la styliste qui offre en plus de ses coupes de cheveux habituelles la possibilité d'importer le visage de son Mii. Et pour le mode online, plus besoin de rentrer des codes amis à 12 chiffres hein, qui ressemblent plus à des codes Wi-Fi, le mode online est donc amélioré. On a même le micro Wii Speak, alors je sais pas si vous vous en souvenez, il nous permet de communiquer avec nos amis, un microphone qui ne ressemblait absolument pas un microphone d'ailleurs. Alors au final, on est en France et on est 4 ans après la sortie du premier Animal Crossing. En 4 ans, il y en a 3 qui sont sortis donc. On a une forte durée de vie, une expérience de jeu légère, agréable, un attachement au personnage, mais au final, le jeu ne propose pas tant de nouveautés comparé à ses prédécesseurs. Il faut vraiment sortir un jeu avec plus de nouveautés pour donner un vrai second souffle à la licence.
Et en 2013 arrive Animal Crossing New Leaf, le quatrième opus de la série des Animal Crossing, un jeu où cette fois on n'est plus un habitant lambda de notre petite ville, mais le maire de celle-ci. Et justement, par rapport à ce que l'on a vu auparavant, on a désormais la possibilité d'ordonner des travaux publics et de signer des arrêtés municipaux. On peut donc, comme bon nous semble, construire des ponts, des fontaines, des lampadaires, etc., etc., mais aussi intervenir directement dans le fonctionnement de celle-ci en décidant des horaires d'ouverture des magasins. Bien sûr, tout cela a un coût, se chiffrant en dizaines, voire des centaines de milliers de clochettes. On doit donc trouver des moyens de financer tous ces projets. Les habitants de la ville apporteront une contribution financière, mais il faut pour cela gagner leur confiance. Il y a donc encore plus le côté bac à sable, personnalisation, liberté, plus de possibilités de customisation de notre personnage et de notre maison. On peut changer de pantalon, de jupe, de chaussures et même de chaussettes. On a divers types de hauts comme les débardeurs et une foule d'accessoires est toujours disponible pour se déguiser en Père Noël ou un héros de jeu vidéo par exemple. On peut enfiler des maillots de bain pour aller piquer une tête et chercher des trésors sous-marins. Toujours plus de possibilités pour occuper ses journées. On peut enfin accrocher des objets au mur et modifier l'aspect extérieur de notre maison. Toit, façade, porte et boîte aux lettres et j'en passe. On peut tout changer en allant faire un tour chez Tom Nook. Et quand on est assez riche, il est même possible d'acheter un château, par exemple. Un opus hyper réussi, en plus, en version portable. Et pendant longtemps, on va pas avoir de vrai jeu Animal Crossing de la série principale. On aura, eh bien, un jeu sur Wii U qui est Amiibo Festival, qui, honnêtement, ressemble à Mario Party raté. Et très sincèrement, on va même pas en parler. On va passer directement au prochain jeu qui nous intéresse aujourd'hui. Animal Crossing New Horizons. En 2017, sur la Nintendo Switch, le jeu est doucement teasé par Nintendo en 2018, et là, lors de l'E3 2019, on a un trailer plein de hype qui sort pour nous parler d'Animal Crossing New Horizons. C'est beau, c'est lisse, c'est coloré, le jeu est un bac à sable, il intègre le terraforming, on peut placer n'importe quel objet à n'importe quelle place sur son île, des tas d'objets, des tas de décorations, des tas de possibilités pour améliorer ses habitations, ses constructions, on peut visiter des îles sauvages où on peut récupérer de nouveaux types de fruits, recruter de nouveaux habitants, on peut visiter les îles de ses amis et être 8 sur la même île, on peut terraformer son île pour la tailler sur mesure, avoir le pouvoir de virer des habitants, d'en recruter de nouveaux, bref c'est une révolution dans la série, et ce qui est bien c'est que toutes ces nouveautés se calquent sur les principes de base de la série. Il y a toujours ce lien social qu'on entretient avec les habitants. On a toujours Tom Nook avec qui on enchaîne les dettes, on retrouve des personnages récurrents de la série. C'est le même univers coloré avec des graphismes améliorés. Il y a toujours cette addiction qui s'installe au fur et à mesure que l'on prend des responsabilités sur l'île. On a de plus en plus de choses à faire chaque jour qui passe. Et d'ailleurs, on gagne des Miles Nook dès qu'on se connecte à la machine une fois par jour. Pour profiter de la vendeuse de navets, il faut y être le dimanche matin. On a notre petit emploi du temps qui se dessine avec des tâches quotidiennes. On a un opus qui est la version ultime de ce que l'on a pu connaître avec le premier opus sorti au Japon sur Nintendo 64. Les deux jeux n'ont rien à voir et l'évolution est folle. Il y a presque 20 ans entre les deux jeux. En plus, on a des événements saisonniers, des mises à jour, des contenus additionnels gratuits. Tout est bon pour nous garder dans cette simulation de vie qui reste un ovni du jeu vidéo. Alors avec la pandémie mondiale, les confinements successifs à travers le monde, on a un jeu qui arrive à 26 millions de ventes et qui rassemble des familles de tous les continents. Voilà comment on explique le succès de ce jeu qui a réussi à multiplier les nouveautés tout en gardant son principe de base. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, est-ce que vous êtes vous en affinité eh bien, avec Animal Crossing si vous aviez déjà joué aux opus précédents et aussi du coup à l'opus sur Switch. En tout cas je vous le répète, mais moi j'ai une entreprise de montage vidéo, de réalisation de vidéo pour les entreprises de ma région. Vous avez mon site donc ghoster.fr, vous pouvez voir un petit peu ce que je fais, et mon Twitter GauthierGhoster si jamais vous voulez suivre eh bien, l'actualité de ma boîte et eh bien, des vidéos sur Inside Gaming. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver en tout cas. Et je vous souhaite eh bien, une excellente fin de semaine. À la prochaine.